Bonjour à tous et à toutes les amis simmeurs et pilotes furaxiens et furaxiennes, et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo tuto. Alors vidéo tuto un peu exceptionnelle parce qu'aujourd'hui c'est la sortie de X-Plane 12. J'ai attendu jusqu'à 3h du matin, du moins on a attendu jusqu'à minuit et demi à peu près avec des abonnés, et puis j'ai installé X-Plane 12 et j'ai déjà fait une première revue sur le serveur Discord de la chaîne. C'était super sympa, d'ailleurs la capture d'écran que vous voyez en arrière-plan et tiré d'X-Plane 12, et les effets sont tout simplement magnifiques. Et voilà, ça y est, X-Plane 12 est là. Donc je vais vous montrer comment acheter votre version sur le site de Laminar Research, comment l'installer, et le premier lancement, comment le configurer. Vous allez voir, Laminar n'a pas réinventé la roue, vu que leur interface fonctionnait bien. Vous n'allez pas être perdu si vous avez l'habitude X-Plane 11. Donc on va commencer par la première partie, acheter X-Plane 12. Pour acheter X-Plane 12, il va vous falloir vous rendre sur le site xplane.com. Attention, hein, c'est vraiment x-plane.com, tout simplement, comme vous pouvez le voir en haut dans ma barre d'adresse. Donc là, regardez, franchement, c'est magnifique. Le site est très bien fait. Vous faites buis ici et là, vous allez arriver sur cette page. Il vous explique que c'est en early access, donc c'est une bêta, que vous allez pouvoir avoir des bugs, ainsi de suite. Et voilà, donc on va faire buis une nouvelle fois ici, donc c'est 59,99$, et vous allez faire procès tout checkout ici, voilà, et là vous allez rentrer votre adresse, voilà, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre code postal, votre adresse email, et vous allez tout simplement payer votre licence et vous allez recevoir un mail qui va vous permettre d'avoir le lien vers l'installeur et également votre licence. Voilà à quoi va ressembler le mail. Vous allez avoir deux liens, le premier qui va vous permettre d'avoir des instructions d'installation, et le second de télécharger l'installeur, et vous aurez votre licence qui est masquée ici, que j'ai masqué volontairement sur la vidéo. Donc une fois que c'est fait, vous téléchargez l'installeur en cliquant ici. Je vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment télécharger un installeur, et vous le décompressez et on va installer à partir de maintenant X-Plane 12. Je tiens à préciser que je vous ai montré comment installer X-Plane à partir du site de chez Laminar, parce que bizarrement il devait être sur Steam et je ne l'ai pas trouvé. Donc on va faire une recherche, je vais vous montrer. Si vous avez le lien, hein, n'hésitez pas à le mettre en description de la vidéo. Vous voyez là, X-Plane, je n'ai vraiment que X-Plane 11. Même si je retire le trait d'union X-Plane 11, vous voyez, il n'y a pas de X-Plane 12, hein, il n'y a pas de X-Plane 12. Je vais taper Flight Simulator, voir si ça serait sous cette dénomination. Flight, Microsoft Flight Simulator, non. Non, non, vous voyez, on n'a pas, je n'ai pas X-Plane 12, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai pas pu vous montrer comment faire l'installation à partir de Steam. Mais de toute façon, c'est très simple, quand il sera disponible, vous lâchez, vous faites installer, hein, ça se téléchargera automatiquement. Une fois que vous avez décompressé votre installeur, vous faites un double clic sur l'installeur et vous avez deux choix. Soit vous allez installer la version démo de X-Plane, soit vous allez installer la version achetée. Donc moi je vais faire installer la version achetée. Moi ma licence est déjà rentrée, mais vous faites un copier-coller de votre licence, vous faites suite,
vérification des serveurs, il vous demande où vous voulez l'installer. Alors moi je veux changer de répertoire, je veux pas l'installer à la racine de C, parce qu'en cas de réinstallation de mon Windows, je vais tout perdre. Donc je fais changer la destination et je le mets tout simplement sur le bureau. Donc ce sera c:/cyril-desktop et XPlane 12. Donc vous allez avoir un répertoire XPlane 12 sur le bureau. Donc là il me demande 30,8 gigas pour l'installation. On fait suite et vous allez voir que c'est pas fini, il faut accepter les contrats de licence, envoyer les diagnostics et données d'utilisation à la Minarsa, cochez-le, comme ça en cas de plantage ils recevront des rapports. On fait suite et là vous avez le choix de l'installation, qu'est-ce que vous voulez installer. Alors moi cette zone je n'en veux pas, je double clique, vous voyez quand c'est bleu en fait c'est que vous allez l'installer, et là pareil je désinstalle pour le moment, on sera toujours à même de relancer l'installeur, donc je vais installer que cette partie, je vais installer l'Europe uniquement, voilà je m'arrête là, je m'arrête sur cette partie là, c'est suffisant pour vous montrer comment faire l'installation. Je vais faire suite. Installation d'XPlane, c'est parti. Donc il va vous falloir patienter en fonction de votre co entre quelques minutes et plusieurs heures. Donc moi ça va aller assez vite, mais je vais mettre en time lapse, je vais accélérer la vidéo pour que on puisse faire le premier lancement. L'installation est maintenant terminée, ça y est, hein, on a terminé l'installation. À mon compteur, ça a pris moins de 10 minutes. Hein, bon, j'ai une connexion fibre de gigabit, donc ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant, on va faire, on va faire notre premier démarrage au niveau du simulateur. Je ne vais pas passer par ici. Je vais vous montrer comment faire pour avoir l'exécutable disponible tout le temps, parce qu'il se met pas forcément dans le menu Windows. Donc là, je fais quitter et je vais aller sur mon bureau et je vais aller chercher le répertoire XPlane 12. Et ici, vous avez l'exécutable. Vous faites un clic droit, vous pouvez l'épingler à l'écran de démarrage. Moi, il est marqué désépingler, hein, donc je vais le désépingler. Vous ferez un clic droit et vous faites épingler à l'écran de démarrage. Donc, logiquement, je devrais l'avoir à mon menu des démarrages XPlane 12. Bien sûr, vous pouvez le prendre et vous pouvez le glisser dans votre barre des tâches, comme j'ai fait moi précédemment, parce que j'ai déjà installé XPlane. Je l'ai désinstallé pour vous et réinstallé pour vous faire une vidéo sur l'installation. C'est parti pour le premier lancement d'XPlane 12. Alors là, il n'y a aucun plugin d'installer, donc vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on va avoir une démo en introduction. Donc on va avoir en fait un petit tutoriel de démarrage rapide. Et on va faire la première calibration de nos périphériques une fois que l'on sera sur le menu. C'est super, vous avez vu un peu les effets d'eau et les effets de pluie. Déjà l'eau, c'est magnifique. Regardez ça, les arbres, c'est très 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 beau. Très joli aéroport par défaut. La qualité audio également a énormément changé. Et là, on se retrouve
in-game, donc on fait, voilà, on fait suite ici, suite, et là on se retrouve à l'intérieur de l'avion et automatiquement il a détecté mon matériel et il nous demande de lancer la calibration. Donc je vais faire lancer la calibration du joystick. Ok, je calibre mon throttle. Voilà, je vais tout bien centrer. Voilà. On est nickel. Je fais suivant. Suivant. Je patiente. Voilà, terminé. Et là, il nous explique que pour se déplacer dans le cockpit, on peut utiliser certaines touches. Voilà, là pour zoomer pareil, on peut utiliser les touches du clavier, je vous laisserai regarder. Moi c'est quelque chose que je ne vais pas. Alors la touche Maj plus 9, très important, ça vous permettra de vous recentrer en mode cockpit. On est prêt pour le vol. Moi je dirais pas tout à fait, je vais faire cacher et je vais aller dans les paramètres ici et je vais aller calibrer tout mon matériel, parce qu'en fait il ne m'a fait calibrer que mon throttle, donc je vais calibrer tout de suite le joystick. Voilà, et je vais faire suivant et encore suivant. Je vais attendre que ça calibre le joystick et je fais terminer. Maintenant, je vais faire la calibration de mes pédales. Calibrer maintenant. Donc, lift, right, je mets au neutre. J'appuie sur les freins, le frein de droite, le frein de gauche. Et suivant, suivant. Et terminé. Donc là, on est sur la fenêtre de paramétrage. Je vais aller sur le côté graphique de l'application et je vais tout mettre à fond. Voilà, sauf le rendu de distance qui me paraît bien sur haut. L'anti-aliasing, on va le mettre en 8 fois MSAA. Voilà. Et on est pas mal. Je vais faire OK et ça va recharger mon SIM. Et là, je vais vous afficher les données sortantes pour voir le nombre de FPS que j'ai dans le cockpit. Donc là, je suis à 50 FPS, vous voyez, dans le cockpit 80, vraiment, X-Plane 12 est vraiment mieux optimisé. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son de l'avion, je vais baisser le son du général. Voilà, et beaucoup mieux optimisé, je vous assure que X-Plane 11, moi je tournais pas aussi bien sur X-Plane 11. Alors là on est sur un X-Plane, je précise, par défaut, mais hier soir j'ai testé avec une orthophoto et j'ai testé avec le Toolis A340 et j'étais à 60 FPS, voire j'atteignais les 100 FPS en cabine et avec le Citation, non c'était avec le Citation par défaut. Donc on verra tout ça ce soir en live, vous allez voir, on va regarder des tas de choses, mais là vous êtes prêt au décollage, vous allez pouvoir commencer votre décollage. C'est parti, on va retirer le frein park, on va se faire un petit décollage pour le fun. Et rotation. Voilà les amis simmers, on en a terminé pour cette première vidéo tuto. Bien sûr, comme d'habitude, si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications plutôt pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Bien entendu, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire, prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye et fly safe.